Allez, bonjour à tous les amis. C'est Vivi, on se retrouve avec la jolie musique de Damas. Alors, celle qui est en fond, hein, pas celle que moi j'ai fait, bien sûr. Le chant et tout ça n'a jamais été mon fort, je le reconnais. Mais voilà, c'était pour faire une petite entrée comique. Et j'espère que vous allez bien. On est parti pour le dernier épisode. Alors, pas du jeu, bien sûr, ne vous affolez pas. Mais en tout cas, sur le dernier épisode, normalement, concernant le Jubair al-Hakim à Damas. Voilà, on va essayer de clôturer aussi cette séquence mémoire numéro 5, qui avait donc été constituée de deux contrats. On avait fait un premier contrat sur Sibrand à Acre, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Hein. Il est assassiné, il n'est plus. Et là, on est venu faire la fête à Jubair al-Hakim. Apparemment, un mec qui serait un petit peu. Ouais, peut-être aussi un peu fou que les autres, j'en sais rien. Pour le moment, on sait pas trop, mais en tout cas, il veut détruire le savoir, détruire des livres en les brûlant. Bon, on va continuer d'apprendre davantage ce que le jeu veut venir par là, mais c'est étrange tout ça. Donc, il nous reste une enquête à faire qu'on va faire dans cet épisode, bien entendu. La séquence connaissance et l'assassinat. Il nous reste un point d'observation et il nous reste trois citoyens à secourir pour la trame, on va dire, principale. Ensuite, il nous reste les collectables. On est normalement à 21 drapeaux. Non, on n'est pas à 21, on est à 23, pardon. Donc on est à 89 sur 100, c'est les drapeaux sarrasins à Damas. Donc il nous en manquerait plus que 11. Et on devrait obtenir une nouvelle petite barrette d'ADN bleue. Voilà. Et donc ensuite, une fois ceci fait, on devrait normalement avoir un retour à Nimus, où on va se retrouver au sein d'Abstergo, aux commandes de Desmond Miles, et peut-être de nouvelles informations, qui sait? Allez! Bah sans plus attendre, on est parti, parce qu'on n'a pas trop de temps à perdre quand même. Donc, en avant, les amis. Alors, non, pas épisode 24. Si, en plus, c'est l'épisode 24. Mais nous, on part sur le drapeau 24. Alors, drapeau 24 qui va nous emmener d'ailleurs dans le bas. Donc, on va secourir le citoyen par la même occasion. On va faire 24-25. Et ensuite, le 26. Ouais, mais il y a un problème de numérotation. Parce que du coup, il n'y a pas de numéro 26. Mais bon, c'est pas grave. Hein, on va y arriver quand même. Le principal, c'est de retomber sur le bon compte. Donc, bref, on va déjà aller chercher. Chercher un drapeau 24 en allant au citoyen. Si on voit le 25, à la rigueur, on peut le prendre. Il est sur la route, pas de soucis. Sinon, bon, on prendra au retour, c'est pas grave. Allez, on saute d'étage en étage, enfin d'étal en étal, de planche en planche. Et puis, on aura bien avancé. Alors, il y a un drapeau juste là, c'est peut-être le 25. On va regarder ça. Oui, c'est le 25. Bon, bah écoutez, je le saurai, il est pris. Donc, tac, on est à 90. Le 24 dans la continuité, juste là en dessous. Oh, voyons, c'est les choses s'enchaînent à vitesse grand V là. On va bien vite aller vite comme ça. Non, mais après, ça va être. Il y a peut-être pas mal de cinématiques aussi dans cet épisode. Notamment à Abstergo, je crois qu'il y a un peu de cinématiques. Donc, faut qu'on prévoie un petit peu de temps pour la fin pour la fin de l'épisode. Allez, on va au citoyen, histoire qu'on avance là-dessus, hein, parce qu'on en a encore trois à faire. Donc je pense pas qu'on attaque trop l'assassinat avant 30 minutes de gameplay. Et on a bien encore pour 30 minutes pour clôturer tout ça. Voilà, un gros tué, on sort notre épée et c'est parti. À notre sixième citoyen sur 8. Mais elle est partie. Ah non, elle est là-bas. Mais c'est qu'elle est partie. Attendez voir, j'ai un doute. Ah, je sais pas. Mais non, elle est plus là. Hein. C'est sûr. Hein. Ah non, elle est là. C'est bon, ça va. Vas-y, il peut. Ah, parce que là, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de citoyen à la clé. Vas-y. Allez, hop. On fiche le camp. On dégarpille. Et ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Alors j'ai hâte de clôturer cet Assassin's Creed, hein, parce que voilà, on a quand même de beaux offices par la suite. Hein. On va pas arriver tout de suite. Hein. On sera pas dans la foulée, hein. On fait pas des épisodes à la suite. J'ai vraiment envie de me lancer sur d'autres jeux. C'est pour ça que
Bah, c'est pour ça que je tourne pas mal d'épisodes. Hein. Faut savoir que moi, je tourne des épisodes très souvent. Déjà, bien souvent, quand je me lance dans une séquence ou dans une mémoire, là, enfin, dans un contrat, je tourne exactement trois épisodes à la suite. Alors, madame, où êtes-vous ? Elle est. Mais on est encore dérangé par ces bougres d'âme en verre. On en a tué combien là ? 12 ? 13, je suis sûr. Et allez donc ! Mettez-en, c'est vrai qu'on en a pas tué assez. Oh, quel jeu débile, hein, tout ça, j'ai bien envie. Là, allez ! Ça y est, la ville est propre, il n'y en a plus. Merci. Dieu soit loué, un imbécile. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Allez, 6 sur 8, ça c'est fait. Donc le du coup, le 24 a été pris, le 25 a été pris. On peut du coup se diriger au 26. Le problème c'est que j'en ai pas. J'ai pas de 26. Donc je sais pas comment qu'on va faire ça. Bah écoutez, on va repartir par là. De toute façon, maintenant faut bien qu'on en prenne. On en aurait un par là. Au niveau des complices. On va regarder ça de plus près. Elle. Que s'est-il passé ? Drapeau 26. Où es-tu ? Sûrement sur la plateforme. On va grimper par là. Là, il peut bien y avoir des gardes. Non. Il a perdu la tête ou quoi ? C'est très bien. Il y a un meurtrier en liberté. Qu'est-ce qui se passe ? Que s'est-il passé ? Drapeau 26. Oups, pardon, monsieur. Je n'ai pas envie d'arriver. Allez ! Voilà, c'est comme ça. C'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Où se cache celui qui a fait ça ? Par contre, je trouve pas le drapeau 26, c'est quoi ce délire ? Qui est ? Ben, je sais pas. Ah ! L'enfoiré ! On a dit qu'on prenait pas par derrière. Alors là, mon petit gars, c'est toi qui vas y sauter. Donc. Tiens, voilà, t'es mort, et ben ça, c'est le karma. Non, mais. Bon, par contre, je trouve pas le drapeau 26. Il y a un petit bug de drapeau là sur le guidon, quand même, à cet endroit-là, je pense. Il y a un Spoons. Peut-être pas au bon endroit après, mais pourtant, si. Si, pourtant. Attendez voir, que je vérifie ça quand même de plus près. Ah non, il serait peut-être plus là. Peut-être moi qui ai encore fait une petite boulette. Ah oui, là c'est sûr. Ça sera mieux à mon avis. Là peut-être, non. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Qui est responsable de ça ? On a. Qui a fait ça ? On n'a pas de drapeau. Qu'est-ce que c'est ? Où nous l'ont-ils mis ? Ah, il est en bas, bah bien sûr. Oh là, oui, effectivement, il est là. Le drapeau. Alors, on met pause. Et du coup, on peut continuer. Alors, je pense que du coup, je vais prendre mes drapeaux maintenant. Comme ils arrivent, hein, tant pis. On va bien s'y retrouver. Donc, on va aller là. C'est le 30, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est quand même qu'on finisse ça, qu'on boucle ça. Puisque j'ai un problème de numérotation. De toute façon, on est à 92 sur 100. Donc, il nous en manque. Très clairement 8. Donc on va pas les trouver. 8, peut-être qu'il y en aurait un par ici. Non. Observons bien. Amanda, tu ne t'en tireras pas. Ah, tu veux te frotter à moi. Laisse-moi vérifier mes drapeaux. S'il te plaît. Peut-être là-dedans. Ah, t'es là. Ah bah t'es plus là. Parfait. Alors, on saute. Prenons un drapeau, s'il vous plaît. Je pense qu'il est dans la courette. Yes, il va être là-dedans. J'en suis... Oh putain, j'ai pas vu. Ouais, il est là. Nickel. Il s'est un petit peu énervé, le monsieur. Alors, on va aller chercher le point d'observe. Comme ça, déjà, on aura bouclé ça. Il va me courir derrière, non ? On va calmer les choses en s'asseyant là. Point d'observe, je l'ai pas noté. Ben non.
Alors, où est-il? Derrière nous. Je vous en supplie. Donne-moi, j'ai besoin d'argent. Derrière nous, il faudrait qu'on fasse le plein de couteaux, peut-être, parce qu'on en a plus que 5. Alors, on va profiter qu'il y a des gros balours. Là, notamment. Voilà, comme ça on est au complet. Nombre maximum atteint. On va passer par là, la tour est là. Là, on va le faire. Ben, tôt, si c'est trop tard, j'ai le temps de... On a un drapeau sur le petit machin à côté là. On en a encore un ici qu'on va faire au couteau. Flac. Et voilà. La voie est à peu près libre. Voilà, notre dernier point d'observation de Damas. Et ça fera donc une deuxième ville bouclée déjà à ce niveau-là. Mais tout va se faire de toute façon. Ce n'est plus qu'une question de temps là. Hop là! Donc point d'observation, hein, des choses qu'on retrouvera bah, dans tous les AC. Je pense que ça y est dans tous. Donc pas de soucis. On peut faire le saut de la foi, on va aller... Où c'est qu'il y a le petit truc là? Tous les points d'observation ont été atteints. C'est parfait. Alors on aurait un drapeau 34 face à nous. Effectivement, ça doit être celui qui est à côté de moi. C'est pas celui qui est à côté de moi. Alors... On va quand même jeter un oeil là, oui, j'ai bien fait. Ils ont fait 94, on va rentrer dans le jardinet. Allez, je prends ce que je vois, de toute façon maintenant, on est vraiment pas loin du bout. On en a un, j'ai vu ici, qui va nous faire 95. Parfait. Donc ça serait le 29. On va aller secourir un nouveau citoyen, ensuite on va remonter à l'interrogatoire, et puis on va terminer avec les drapeaux restants et le citoyen, et on sera Michel Chrome. Citoyen par là. Plaque. Allez, un gros. J'ai cru que j'avais tué la dame. Non, c'est bon. I don't know. J'aurais très bien pu assassiner la dame par la même occasion. La lame a qu'à transpercer le du bas et transperce la dame également. Crac. Ça va, ils sont que 3 pour le moment. Ça s'annonce plutôt bien pour nous. J'espère qu'on va pas en ameuter des autres. Oh, tu m'agaces toi, hein. Va chercher ton bonnet là, je pense que tu fais avec ça moi. Ah bah, il aime me balancer dans tous les sens. Hein. Allez, c'est fini pour toi, ça commence à faire. Mmh. Les gosses, finalement. Non, c'est moi qui fais mal le coup. Je te déconseille de me provoquer. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la vie saura que vous vous êtes sacrifié. Allez, à vous. Il y a des complices pour m'aider. On va pouvoir fuir, impeccable. Là, allez. Pas des autres. On est tout bon. On va monter donc. Alors attends, on est où? On est là. Le 29 a été fait. Le 28 normalement a été pris aussi. Enfin, je crois. Ouais, si. On aurait peut-être un drapeau 30 à récupérer ici. En allant au, à l'interrogatoire. Ouais, on va aller le chercher. Un petit peu moins à faire après, comme ça. On va aller questionner le monsieur, mais bon, de toute façon, c'est déjà vaguement, vaguement ce qui nous attend. Drapeau 30, il serait là. Aïe, 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 aïe. On va essayer de grimper à l'échelle. On va essayer de se planquer également. Ça serait pas mal. Comme ça, on sera tranquille pour l'interrogatoire. Allez, est-ce qu'on a le temps d'aller chercher une cabane là? Hop, là c'est risqué de se mettre sur le bord, on y va doucement. Crac. Ça va, c'est des petits. Les petits se font bien en général. Petit soldat simple. Il y en a 50 encore. Je le fais parce que j'ai un peu de temps. On y va à la fin. On va quasiment sur la fin.
permettre de faire un peu quelques combats. Profitons-en, mais on va en faire de toute façon à la fin de l'année. Il y a plein de combats à prévoir. Alors, j'ai pris le drapeau 30. Donc, du coup, on peut se diriger vers l'interrogatoire cette fois-ci. Sans souci. Alors, où c'est qu'il est? Apparemment, il est là. On va y aller discrètement. Il fut un temps, mettant en main, Joubaïr enseignait, et le monsieur est là. Leurs mensonges, la faux. Qu'est-ce que vous voulez? Ça marche. Mais allez, écoutons ce qu'il a à nous dire. Au grand jour, et il a compris qu'il était de son devoir de montrer la voie. C'est ce qu'il a fait avec moi. Et cette voie, je vais vous l'indiquer à mon tour. Joubaïr voit les choses avec clairvoyance. Il cherche l'antidote au poison qui contamine les cœurs et les esprits. Apportez-nous tous les textes présents dans vos foyers et vos écoles. Apportez-les-nous et nous les détruirons. D'accord. Il faut apporter les textes pour qu'ils les détruisent. C'est quand même un petit peu fou, hein, ces personnages. Pourquoi détruire des livres et tout ça? C'est un peu n'importe quoi. Mais... bref. Allez, on va le poursuivre gentiment. Où c'est qu'il se dirige. Là, la zone a l'air assez calme. Comme d'habitude, il y a des gros balous. Ça, c'est tout le temps. Attention, il y en a un garde juste là. Là, je pense que ça va être le moment. On va laisser passer le monsieur là-bas. Et on va pouvoir attaquer ça. On a encore un garde qui arrive en face. Mais de toute façon, on aura tout le temps, j'ai envie de dire. Peut-être que ce sera la zone là. Non, ne partez pas comme ça. Ouais. Juste quelques allez, on va le taler ici. Hein, tant pis. Vous pouvez me donner un peu d'argent. Allez, c'est parti. Ça suffit au bout d'un moment. Voilà, vous avez bousculé les gens. Pourquoi échec? Ah, parce qu'on s'est fait détecter. Ah, non, ça va pas. On va recommencer. On va recommencer. Il est pas simple à faire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gardes dans la zone. Alors peut-être que j'ai été trop vite. Peut-être que c'est un peu plus loin qu'il faut le faire. Je sais pas. On va voir. Là, très clairement, c'est les gardes qui m'ont détecté. C'est marrant parce que d'habitude, ils ne détectent pas plus que ça quand. De toute façon, on va pas se retaper la cinématique. Entouré d'êtres malveillants qui cherchent à dominer vos esprits en vous imposant leur savoir. Faites de l'autre côté. Laissez-nous brûler ces écrits. Ainsi, ils ne risqueront plus d'être lus et de faire du mal. Joubaïr voit les choses avec clairvoyance. Il cherche l'antidote au poison qui contamine les cœurs et les esprits. Apportez-nous tous les textes présents dans vos foyers et vos écoles. Apportez-les-nous et nous les détruirons. Bon bah si, on s'est retapé la cinématique. Normalement ça ne l'armait pas, mais bon, je sais pas. Peut-être normal. On va essayer de le taler avant, hein. Moi je sais pas, on va voir. Peut-être que c'est là qu'il faut le faire, je sais pas. Et là c'est vrai qu'il n'y a pas de garde à ce moment-là. Si vous restez là, je vais finir par m'énerver, hein, moi je vous ferai bien. Il y a un garde là. Allez, là c'est peut-être le moment. Voilà, on est pas mal. Ah, casse-toi, toi. Qu'est-ce qui se passe? Et bon sang. Ça ne sera pas très possible à la fin. Dernière mandale, ça devrait être bon. Qu'il est? Si j'étais vous, j'appellerais à l'aide. Là! C'est la guerre, c'est le combat de rue! Oh, c'est du grand n'importe quoi, hein. Ces gros balours, ils m'énervent! Là! Ça va être bon! Enfin! C'est une tragédie, bien sûr! Mais aussi un grand honneur! La violence n'est pas une réponse, mon enfant! Je suis de cet avis. Parle et je retiendrai peut-être mon épée. Pourquoi ton maître veut-il détruire tout ce savoir? Pierre par pierre! Nous construisons une route vers des lendemains meilleurs. Une route que tous les hommes emprunteront bientôt. Je ne le vois pas ainsi. Tu es aveugle.
Les mots écrits sur ces parchemins ne sont que poison. Jubair en a l'antidote. Il nous libérera de leurs mensonges. Ce discours n'a aucun sens. Tu as perdu l'esprit. Non, non. Je l'ai retrouvé. Je vois le monde tel qu'il est. Jubair m'a beaucoup appris. Il éclaire tout, d'un jour nouveau. Un fanatique, un fou dangereux. Voilà ce que tu es. Fais ce que tu dois faire. Cela ne change rien, nous n'avons pas peur. Vous avez tort. Oui, moi je pense qu'au niveau d'éclairage, ça doit être dans votre cerveau que c'est pour tout éclairer, les gars. Les érudits qui entourent Jubair détruisent tous les livres de Damas. Oui, de toute façon, on le savait vaguement. Effectivement, ce sont des fous. Hein. Alors, on va se mettre à un point histoire d'aller quelque part d'utile. Du coup, il nous reste un citoyen à faire. Et il nous reste quelques drapeaux à récupérer. Alors, on est là. Il nous reste drapeau 32, 33, peut-être le 31 aussi. Alors, du coup, le 31 serait là. Allez, attrapez-le. Eh ben allez, dirigeons-nous là-bas. Hop, regardez les gars, je vais passer par là, et vous avez rien. Hop. Et... on va prendre l'échelle. On va essayer de lire le petit résumé là, même si il n'y a pas grand chose de plus à y apprendre. Voilà, on va en profiter. Alors, les érudits qui entourent Jubair sont des fanatiques. D'accord, ils appellent ça des érudits. D'accord. Ils interpellent les gens dans la rue et exigent qu'ils leur remettent leurs livres et leurs parchemins pour les brûler. Ils croient qu'en détruisant les anciennes sources de savoir, ils construiront de meilleurs lendemains. Meilleurs pour qui ? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Encore une fois, un peu un nouveau monde. Bref, ils construisent un monde meilleur. Bref. Assez vague tout ça. Ouais. Mais pour qui ouais, comme dit Altaïr. On fait demi-tour. Pas trop. En tout cas, pour le moment, cette enquête colle pas trop avec les précédentes. J'ai envie de dire. On va voir ce que Jubair al-Hakim là, nous dira une fois son assassinat effectué. Parce qu'il y a toujours un petit peu des révélations qui arrivent à ce moment-là. En tout cas, c'est ce que je remarque. Mais voilà. On a moins de pitié aussi à tuer le gars là pour le moment. Parce que je trouve qu'il fait pas forcément quelque chose de bien. On est à 97, donc il nous en manquerait plus que 3. 97. Est-ce que j'ai pris le drapeau 30? Mais je crois que oui, hein. Oui, c'est celui qui est là. Il me semble qu'on l'a pris. Donc, on va avoir un souci, hein, les amis. Il va nous en manquer un. Il va nous en manquer un. Là, ça sera le 98. On va avoir le 99 ici. Et puis, le 30e, enfin, le 100e, ben, je sais pas. Je sais pas. Et là, ça craint. De toute façon, il y a un problème de numérotation là-bas. C'est pas normal, il y a 33 drapeaux de mentionnés écrits sur le bouquin. Et il y en a 34 au niveau de la numérotation. Donc il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout là. J'essaie de regarder, mais je vois pas. Pour moi, il y a une erreur là dans le bouquin. Là, pour le coup, il y en aurait une. Bon, on va aller déjà chercher ce qu'on peut récupérer. Hein. On va pas se prendre le chou. Puis au pire, je vais faire un off moi de mon côté pour essayer de le chercher parce que ça m'inquiète un peu. Là. Alors, le citoyen est là. Donc allons-y. Tant qu'on est dans le coin, on va au moins déjà avoir fait ça. Black. Hop. Alors, combien de fois on tue là ? En général, c'est tout comme ça. Oh, pardon, madame. C'est pas bon. Alors c'est quand même très souvent des femmes hein, qu'on se secoue, hein, on marque, hein. Ça semble à peu près logique. C'est bon, les gardes en profitent. Ça fait logique. Oh, mais ça fait deux fois que je fais un coup d'épée, on finit par la tuer. Tiens, 3. Non, mais c'est pas vrai, Altaïr, t'es chiant. Fais attention à ce que tu fais, enfin. Ah, pauvre dame. Bon, qu'ils sont solides. Là, toutes mes excuses, madame. Hein. Ma oh bah vous m'avez sauvé. Vous vous êtes sacrifié. Plutôt vous qui vous êtes sacrifié pour moi.
Allez, on a au moins tous les citoyens. Il nous reste vraiment pas grand chose. Hein. Il nous reste 3 drapeaux. Mais bon, pour le moment, ça s'annonce mal. Y aurait-il un bug à Damas? Quoi là, je comprends pas trop. Après, on peut peut-être avoir la chance de tomber dessus comme c'était arrivé, je sais plus. On verra bien. On va déjà aller chercher les deux qu'on sait. Puis on verra à l'issue de ça. Donc on en a un là dans la ruelle. Ok, 98, hein, ça va être 99, hein, ça va être la merde. Hein. Ah, c'est ça leur problème de numérotation là à 100. Acre, c'était bien parce qu'au moins on sait dans quel quartier aller. Là, on sait pas. C'est pour ça que j'aime pas leur numérotation à 100 là parce que c'est complètement con. On sait pas du tout, pourtant on était bon hein, normalement. On avait bien le bon nombre de drapeaux hein, jusque là. Par rapport au nombre. Alors après, s'il y a un problème dans le guide là, c'est autre chose. Alors, le drapeau est là-bas, je le vois. On va y aller par le toit, ça serait peut-être plus mieux. Je sais pas du tout où va être le 100e drapeau. Là, j'en ai aucune idée. Faut quand même faire un petit check-up sur le bouquin, là, histoire de regarder quand même. Voilà, bah 99 sur 100, fissué. Sinon, on est tout bon sur le reste. Là, il nous reste vraiment que l'enquête assassinat et tout. On est vraiment bien dans les temps. Et là, on va perdre du temps à cause de cette merde de drapeau. Bon, bref. Alors, je vais refaire les numéros un par un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, et là, à partir du 22, il y a un couac, parce que moi j'ai pas de 23, mais j'ai deux 28, donc on va dire que celui-là c'est le 23, donc 23, 24, 25, il n'y a pas de 26, qu'est-ce que c'est que ce beans? 26, 27. Ouais, c'est pour ça que ça va pas. En fait, c'est ça le drapeau qui nous manque. Ils se sont plantés, là, les gars, dans leur bouquin. Alors, je vais faire une petite pause, les amis, histoire qu'on perde pas de temps. Je vais faire une petite coupure. Je vais regarder de mon côté sur Internet. Je vais avoir besoin d'une solution Internet, là. Parce qu'il y a un problème de numérotation sur le guide, hein, très clairement. Et je vous retrouve, du coup, quand je suis de retour, tout simplement. Allez, à tout de suite. Bien les amis, je suis de retour à faire solutionner, j'ai trouvé le drapeau manquant. Donc c'est bien dans ce quartier là, déjà pas de soucis, on n'a pas besoin de retourner dans les autres quartiers. Alors, pour vous expliquer vaguement pourquoi il me manque ce drapeau, donc il y a bel et bien une erreur de numérotation sur le guide que j'ai en ma possession. Donc c'est je pense ça qui fait qu'on n'a pas réussi à le trouver. Après je revisionnerai quand je ferai le montage, c'est peut-être une erreur de ma part également, j'en sais rien. Il y a peut-être un drapeau que j'ai cité à un moment qu'on allait aller chercher, que je n'ai pas été chercher. C'est bizarre parce que le drapeau apparaît bien, de toute façon, au niveau de son emplacement sur le guide. Donc bref, on va pas chercher de toute façon à comprendre pourquoi, du comment. J'ai retrouvé le drapeau, c'est le principal. Donc j'ai marqué l'endroit où il se situe. Sur le guide, il s'agit du coup du numéro... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises quand même. C'est le numéro 27. Pourquoi on l'a pas pris, j'en sais rien. Je verrai ça au montage. C'est peut-être une erreur de ma part, mais en tout cas, de toute façon, il y a quand même eu un couac à partir du numéro 23, là. Entre le 23 et le 28, il y a une très 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 grosse erreur de numérotation de leur part. Et je pense que ça nous aide pas pour les chercher. Bon bref, c'est de l'histoire ancienne puisqu'on sait où qu'il est, donc on va aller le chercher. Et comme ça, on sera au complet enfin sur nos drapeaux. Donc c'est le principal. Et puis on va pouvoir continuer tout simplement notre aventure. Alors il faut que je relance mon chrono du coup, sinon on sera pas bon. Voilà, hop, c'est reparti, nickel. Et donc voilà. Alors on va passer par où? Par là. Donc pourquoi il a été oublié, j'en sais rien. J'ai essayé de comprendre de mon côté avant de reprendre l'enregistrement. Je sais pas. Franchement, j'ai aucune réponse à cela. Moi, je pense que c'est vraiment le guide qui m'a induit en erreur, moi, je pense. Bon, après, voilà. Pour le moment, une erreur sur tout le jeu. J'ai envie de dire, c'est pas méchant. Hein. Dans un guide imprimé, tout ça, j'ai envie de dire, ça peut être plausible. Mais j'avoue que c'est des guides de Solus et s'ils sont faux, c'est chiant. Bon, j'ai jamais eu le cas après sur les autres. Je me souviens pas. Donc je leur en veux pas trop. Voilà le fameux drapeau en question. Bon, bah écoutez, bon, on va le récupérer. Hein. De toute façon, c'est le but. Donc nous sommes cette fois-ci bel et bien à 100 sur 100 drapeaux sarrasins récupérés à Damas. Donc une petite barrette
Le supplémentaire. Et donc il nous reste, eh bien, une séquence normalement. Comment ça, une séquence? Mais non, c'est n'importe quoi, je raconte des bêtises. Là, on est dans les autres séquences. Non, on avait les billets finis, pardon, excusez-moi. Ah, ça m'a perturbé. Bon. Donc là, on est bleu, là, on est bleu. Il nous reste donc la connaissance. On va retourner au bureau du chef de cellule, le Rafik. Et on va voir s'il nous donne la permission d'aller assassiner la cible Jubair al-Hakim. Allez, c'est parti. Le bureau est juste là. On est parti dans le vif du sujet. Alors, on va peut-être y aller par la route. Hein. Je suis normalement. Ça tirait des ennuis. Pousse-toi, toi. Et puis, continuons. Alors là, essayer de passer en douce. Hop, purée de purée. Il y en a partout. Alors eux, si vous pouvez éviter de les, enfin, si vous pouvez essayer de les éviter, c'est quand même pas plus mal, hein, parce que ils sont quand même vraiment chiants. Mais bon, ça a été fait exprès, hein, bien entendu. Hein. Est-ce que j'ai des couteaux? Oui, j'en ai. On en a bien assez pour faire la séquence. Puis ça nous les remplit avant l'assassinat. Je sais pas trop. Voilà, le petit carré est là. Je vous laisse avec la nouvelle cinématique. On va voir ce qui se dit. Hein. On a compris de toute façon. Ce qui se tramait, et puis on va préparer notre assassinat, hein, qu'on regarde vraiment l'endroit idéal. Je voudrais essayer de faire ça, puisque je ne l'ai jamais fait d'habitude. Donc on va regarder si ce que j'ai dit est juste, et si ça nous aide vraiment. Allez, c'est parti. Cinématique. Quelles sont les nouvelles? L'ennemi n'a plus de secret pour moi. Je t'écoute, alors. Jubair s'est mis en tête de purger la cité de tout son savoir. Quel crime, odieux! Je comprends maintenant pourquoi Al-Mualim veut que tu le tues. Les savants de la ville lui prêtent main forte. Ils descendent dans les rues, agressent les habitants et réquisitionnent leurs manuscrits. Je crains qu'ils ne veuillent tout détruire. Il faut y mettre un terme. Je suis là pour ça. Il va organiser une assemblée, à la Madrasa Al-Khalas. C'est là que je me rends. C'est là que je prendrai sa vie. Je te laisse te préparer. Fais honneur à la fraternité. Avance rapide vers une séquence plus récente. Allez, très bien. Allons faire honneur à la fraternité. Donc Jubair prépare une assemblée dans la Madrasa Al-Khalasa. C'est le moment idéal pour l'éliminer. Et oui. Donc c'est bon, nous avons la permission d'aller l'assassiner. Alors on va lire ce qui se trame ici. Oh, ben il y en a un beau pavé. Jubair a ordonné que tous les ouvrages de Damas soient détruits. Effectivement, il prétend que ces documents ne font que véhiculer les mensonges des esprits corrompus qui les ont consignés par écrit. C'est le message qu'il transmet à ses étudiants. Ouais. Lesquels boivent ces paroles sans s'interroger? Ces réunions ont lieu chaque jour à la Madrasa Al-Khalasa. Une assemblée est sur le point de commencer, je vais y assister. Non pour écouter ces divagations, mais pour y mettre un terme. Et oui, mon cher Altaïr, tu as bien raison. Nous devons y mettre un terme. Donc on est parti, on va préparer un petit peu notre enquête. On va essayer de voir déjà sur la carte où ça nous met l'endroit. Alors, ça nous met un endroit ici. C'est normal, ça va être ici qu'il y aura une première partie de cinématique. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger ici, dans un premier temps. On va modifier un petit peu nos plans, je sais pourquoi, parce que je connais le jeu, forcément. Donc on va aller ici, on va lancer la séquence cinématique, mais ce ne sera pas ici qu'on tuera la cible. Ça, il faut le savoir. Après, vous allez voir comment ça va se passer, ça va nous mettre plusieurs points sur la map, en fait, le même logo que ça, assassiné. Et c'est à nous, en fait, d'aller au bon endroit, donc via les éléments qu'on a récupérés. Et normalement, si on ne s'est pas trompé et qu'on a bien récupéré nos indices, tout ça... on devrait tomber directement au bon endroit. Et c'est donc là où je veux voir si ce que j'ai dit depuis le début est juste. Mais normalement, oui. Si on a bien le bon endroit avec directement le bon Jubair. On va voir. Donc on est parti. On va déjà lancer la cinématique. Avant toute chose, il faut déjà qu'on commence par là. Il faut déjà que les choses se mettent en place. Donc c'est parti. Direction ce fameux endroit. Donc là, je présume qu'on va à la Madrasa Al-Khalasa. Hein, d'après ce que j'ai compris dans les choses qu'on a trouvées. Et donc le fameux Jubair va être tué, à mon avis, dans le petit jardin, d'après ce que je comprends. Et donc c'est ça, les petits jardins qu'on nous a montrés via les petits points bleus là, ou les ronds rouges barrés.
Tout simplement. C'est comme ça que je comprends la chose. Je n'ai jamais vraiment fait cette enquête de cette manière. Ça, c'est raté. Je voulais rentrer par le haut, parce que normalement, c'est par là qu'on y rentre. C'est même conseillé, parce qu'il me semble que c'est gardé devant. Oui, c'est gardé, effectivement. Donc, on va passer par là. Et on devrait se retrouver normalement sur le balcon. Enfin, sur un balcon. Oui, c'est bon, c'est bien ça. On va regarder, parce qu'il y a peut-être quand même quelques gardes avant de... Non, c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de garde. Par contre, j'aimerais bien que tu sautes, mon cher Altaïr. On va faire le tour. Hein. Puisque ce cher Altaïr ne veut plus marcher, sauter. Peut-être que c'est fait exprès, j'en sais rien. Allez, ça va être la cinématique. On va trouver une entrée. Parfait. Tous les écrits que cette ville abrite doivent être détruits. Je t'en prie, ne fais pas cela, mon ami. Si nos ancêtres ont consigné leur savoir sur ces parchemins, c'est pour une bonne et excellente raison. Ah oui, et quelle est-elle? Ce sont des phares destinés à nous guider et à nous préserver de l'obscurité et de l'ignorance. Non, ces parchemins ne sont que des tissus de mensonges. Ils nous empoisonnent, et tant qu'ils existeront, vous ne pourrez espérer voir le monde tel qu'il est vraiment. Pourquoi comparer ces écrits à des outils de destruction? Ils ne servent qu'à apprendre. Vous y cherchez des réponses et votre salut. Vous avez la faiblesse de compter plus sur eux que sur vous. Cela vous rend aveugle et stupide. Vous faites confiance à des mots, à des taches d'encre. Mais avez-vous déjà réfléchi à qui les avait tracés? Et pourquoi? Non, vous ne remettez rien en question. Et si ces écrits étaient mensongers, comme c'est souvent le cas, ces écrits sont un danger. Vous avez tort. Ces textes sont les clés du savoir. Nous en avons besoin. Tu tiens vraiment à tes précieux parchemins? Tu ferais n'importe quoi pour eux? Oui, oui, bien sûr. Alors, rejoins-les! Ah ah! Je considère quiconque tenant ce genre de discours comme une menace. Quelqu'un d'autre voudrait-il me défier? Bien. Voici ce que je vous ordonne de faire. Parcourez la cité. Rassemblez tous les manuscrits restants et entassez-les dans la rue. Quand vous aurez fini, nous les chargerons sur un chariot afin qu'ils soient détruits. Et ben voilà, on a vu donc à qui nous avons affaire, ce fameux Jubair al-Hakim. Donc on peut voir sur la minimap que voilà, on a plein de points. On en a 1, 2, 3, apparemment 6. Donc ça doit correspondre aux 6 points qu'on avait déterminés dans le truc. Donc le pauvre monsieur bah, s'est fait brûler. Bon, il a essayé de défendre les livres, on va dire ça comme ça. C'est vrai qu'ils sont un peu tapés du ciboulot quand même. Alors, on va essayer d'organiser notre assassinat. Alors déjà, dans un premier temps, ouvrons la map. Et voyons si les points... Ouais, les points correspondent très exactement aux points bleus qu'on a eu de défini. En théorie, je dis bien en théorie, si les points bleus sont justes, l'assassinat doit se passer ici. On va aller vérifier ça quand même dans notre registre mémoire. Ça sert à ça d'avoir fait les enquêtes au préalable, hein, ne l'oublions pas. Alors, objectif Damas, au niveau de la ville, nombre d'objectifs, Jubair al-Hakim. Titre objectif, homme de science de Salah ad-Din. Et localisation objectif, Madrasa al-Kalassa. Bon, ça, entre guillemets, c'est plus vraiment juste. Maintenant, il faut qu'on aille dans un jardin. Alors ici, la lettre, on s'en fiche un petit peu, même si, bon, c'était important de l'avoir. C'est plutôt les points bleus qui nous intéressent. Donc ici, vous voyez déjà, on a deux points qui sont barrés. Donc normalement, pour moi, c'est pas ici qu'il faut aller. On a toujours celui de la droite. Observez bien celui qui est à droite, le plus à droite possible. Normalement, il ne sera jamais barré en rouge. Ensuite, ici, je crois qu'on en a d'autres. Voilà, on en a celui du bas à gauche qui est barré, toujours pas celui de la droite. Ici, on en a encore deux nouveaux, toujours pas celui de la droite. Voilà, on a dû faire le tour, là on en a deux, on en avait deux sur une autre et un sur une autre. Donc clairement, pour moi, c'est là-bas qu'il faut aller. Normalement. Et ça, c'était quoi? C'était encore une lettre, ouais. Donc c'est parti, moi j'ai envie de me lancer comme ça. Comme ça, ça va être la toute première fois que je le fais pour moi.
D'habitude, quand je le faisais avant, je me préoccupais pas trop des enquêtes, machin, tout ça. Je faisais un petit peu le jeu en plus rapide, et je vous avoue que je passais quasiment par tous les points jusqu'à tomber dessus. Donc là, on va se diriger ici. C'est clairement ce que je veux faire, j'ai dit que je voulais faire une aventure propre, j'essaie de la faire le plus proprement possible. Donc évitons d'aller aux autres endroits, ça sert strictement à rien. On va tomber normalement que sur des copies, entre guillemets, hein, Bah tout simplement, c'est des érudits, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Des érudits de Jubair qui ne seront tout simplement pas lui. On ne le cherchera pas au bon endroit. Alors, on va déjà y aller voir. Je vais garder mes couteaux de lancer si jamais j'ai des gardes comme ça qui me posent souci. Je peux au moins les évacuer. Que s'est-il passé ici ? Ah, qu'est-ce qui se passe ? Alors apparemment, il y a des points qui s'en vont. D'accord, donc là, faut qu'on essaie d'être assez discret. Tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Passons de l'autre côté avant qu'il nous détecte. Parfait. On s'y dirige gentiment. On observe. Hop, un archer là-haut. Est-ce qu'on pourrait des fois le dégommer ? Oula, il y a du monde là. Toi, tu t'en vas. J'aimerais bien faire la peau à celui-là aussi. Où se cache celui qui a fait ça ? Eh ben, il est là, tiens. Ok, donc on arriverait à la zone. Ah, ils m'ont détecté ? Qui m'a vu ? Peuple de Damas, purifiez cette ville du passé qui l'empoisonne. Vous faites le bon choix, n'en doutez point. Cet acte vous honore. De ces cendres naîtra une nouvelle ère, une ère de vérité et d'unité, où la sagesse guidera le monde. Est-ce que c'est lui ? Il a une bourse ? Il a une bourse, les amis ! Allez, c'est le moment de frapper. On est bon. Pourquoi ? Pourquoi avoir fait cela ? Les hommes doivent être libres de leurs croyances. Ce n'est pas à nous de les juger ni de les punir, même si nous sommes en désaccord. Et alors ? Pourtant, vous devriez savoir quoi faire. Leur montrer la voie, distinguer le bien du mal. C'est le savoir et non la force qui les libérera. Ils n'apprennent rien. Ils restent avec leurs idées bien arrêtées. Tu es bien naïf de penser le contraire. C'est une maladie. Et il n'y a qu'un seul remède à cette maladie. Tu te méprends. C'est pourquoi il faut mettre un terme à tes méfaits. Suis-je différent de ces précieux écrits ? Je suis moi aussi. Une source de savoir qu'au fond de toi tu désapprouves. Et pourtant tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice. Pourtant, ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés ? D'anciens écrits qui ont mis Salah ad-Din et son armée dans une rage légitime ? Ces textes sont un fléau pour l'humanité, car ils appellent la mort. C'est un petit sacrifice que je faisais moi aussi. Peu importe maintenant. Tu en as terminé. Et moi aussi. Allez, c'est fait! Une nouvelle cible à l'assassiner! Jubair est mort! Alors, on retourne vite fait, bien fait, à notre bureau pour donner la plume d'Al-Mualim. Parfois, encore une fois, il ne voulait pas des livres. Pour lui, c'est un fléau, c'est mensonger, c'est. Bon, bref. Chacun son opinion. Après, il y a sur certaines choses, je suis pas tout à fait con. Enfin, pas tout à fait con ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a des fois peut-être certains écrits. Tu sais qu'il faut peut-être pas forcément trop croire ce qui est écrit. Bon, après, il y a quand même des choses quand même. Surtout à l'époque en tout cas. Beaucoup de choses étaient écrites justement pour que ça reste. Donc voilà. Hop, alors, on s'est pris une flèche dans le cœur. Bon, on va y aller par la route, c'est pas grave. On va essayer de retrouver notre chemin. Oh non, je vais rentrer là-dedans, je sais pas. Là, non plus, ça va pour aller. On va passer par le petit chemin qui est là. Allez, on est pas loin de notre bureau. Hein. Eh bien, ils courent, regardez-les. Ils nous font pas de mal quand on les suit comme ça, c'est pas mal. Alors, essayez de les semer. Hop, hop, hop. On s'en fiche, on a fini. On a fini à Damas, les amis. C'est la dernière fois que vous me voyez, les potiches. Allez. Allez, tentons de nous réfugier. Essayez de regarder si on trouve
petite cabane là sur les toits. Allez, il y en a une là-bas au loin. On va tenter d'aller la chercher. Celle-là. On va peut-être avoir le temps. Yes! C'est parfait! Allez, on va rendre compte à notre Rafik. Et on devrait normalement se retrouver. Alors par contre c'est dommage parce que je peux pas voir si les mecs sont partis. Je pense que oui. On va y aller tranquillou pilou. Ouais. On devrait le faire. Hop 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 hop. Qui me voit? Toi. Allez, c'est bon. Cette fois, la voie est libre. Je vous laisse avec la nouvelle cinématique. Altaïr, tu viens me dire que tu as réussi? Oui. Les foyers allumés par Jobaïr se sont éteints comme lui. Excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais. Tu aurais dû les voir. Les savants le suivaient de bonne grâce. Ils ne se contentaient pas de jeter des livres au feu, mais tous ceux qui s'opposaient à eux. Une telle ignorance n'engendre que le mal. Et tu as fait le bien aujourd'hui. Comme mes autres victimes, Jobaïr pensait faire le bien et montrer la voie vers un avenir meilleur. De telles divagations ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un esprit égaré. Toutes ces choses que j'ai vues ces derniers temps, c'est comme si le monde devenait fou. C'est pourquoi nous devons lutter pour mettre fin à cette guerre. Le peuple a besoin d'être guidé. Et il est aisé pour des hommes comme Jobaïr d'exploiter sa détresse à leur profit. Va voir Al-Mualim, explique-lui ce dont tu as été témoin et informe-le du bien que tu as fait. Paix et sérénité, Rafik. Paix et sérénité. Avance rapide vers une séquence plus récente. Ouais, on était un petit peu dans le mur. Allez, la cible a été éliminée. On va lire notre petit texte avant de déguerpir. Donc ce que j'ai accompli aujourd'hui me pèse. Jobaïr m'a juré qu'il voulait éviter à son peuple de commettre les erreurs de ses ancêtres. Une noble motivation. Mais ses méthodes étaient inacceptables. Il fallait clairement y mettre un terme. Priver tout un peuple du savoir. Il ne les sauvait pas, il les aveuglait. Méritait-il vraiment de mourir? Je devrais m'informer Al-Mualim de la mort de Jobaïr. Ben, oui. Écoutez, on va continuer. Et puis de toute façon, on va voir ce qui se passe. Hein. Allez, à partir de maintenant, les choses vont commencer à s'envenimer un peu. Vous allez voir ça, de toute façon. J'ai beaucoup de terrain en vie. Notre marge de manœuvre est très limitée. Où qu'il soit caché, il faut le récupérer. J'y travaille. Bien, et ensuite? On s'occupera de lui. Tenez-moi au courant, demain, dans la matinée. J'ai un travail urgent à terminer. Je vous donne quartier libre pour la soirée. Bien, nous sommes revenus à Abstergo avec un professeur Vidic qui nous laisse quartier libre pour la soirée. Mais ça c'est bien ça. Lucie, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Non, c'est pas ce que vous pensez. On va avoir quelques petites occupations, vous inquiétez pas. Voilà, en tout bien, tout honneur. Donc nous sommes revenus au sein d'Abstergo, donc aux commandes de Desmond Miles. On a pu voir que Vidic était en discussion, je pense, directe, là. Il n'était pas au téléphone, hein, d'après ce que j'ai vu. Avec une personne, donc a priori un homme, hein, puisque vu la voix qu'on a entendue. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment. On va peut-être discuter avec Lucie, elle a peut-être des choses à nous dire. Et puis aussi pour programmer la soirée. Je crois qu'il y a un problème avec l'Animus. Non, tout est en ordre. Non, je suis sûr qu'il m'a éjecté au moment et où... Et moi, je suis sûr que tu devrais la boucler. Est-ce que tu voudrais bien me dire ce qui se passe? On doit les arrêter, Desmond. Quand ils accéderont à ton dernier souvenir, et ils n'en sont plus très loin, ils essaieront de tout changer. Notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être. Vidic t'a fait son petit sermon sur ce qui va mal dans le monde. Comme quoi nous avons besoin d'ordre et de discipline. C'est ça qu'ils nous préparent, sans nous demander notre avis. Mais comment? Le trésor des Templiers. Il pense qu'il... Mademoiselle Stima, je vous écoute. Chargez les souvenirs de Desmond dans la base de données. Je m'en occupe. Eh
Et c'est pas possible, à chaque fois qu'elle est sur le point de nous dire à peu près quelque chose, il téléphone ce gros Vidic là. Je pense qu'il... Bah de toute façon après des caméras j'ai envie de dire. Mais il le fait clairement exprès, c'est certain. Ah, je vous jure, on ne saura jamais ce qui se passe réellement, je crois. Enfin en tout cas pour le moment ça en prend pas le chemin. Bon, en tout cas ça va être râpé pour la soirée avec Lucie, hein, je le sens. Ça m'a l'air assez remonté. Et tout ce qu'ils attendent de moi, c'est que je retrouve le trésor des Templiers ? L'orbe d'Éden, comme ils l'appellent ? Oui. Toutes les pistes convergent vers Masyaf. Je ne comprends pas pourquoi ils me font perdre mon temps. Ils n'ont qu'à envoyer une équipe pour le récupérer. Impossible. C'est plus compliqué que ça. Ils détenaient l'artefact de Masyaf. Jusqu'à ce qu'il soit détruit, lors d'un accident. Mais alors, qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Ou de mon ancêtre ? Ils espèrent qu'il leur indiquera la cachette des autres. Tu veux dire qu'il existe plusieurs trésors ? Oh, tu n'as pas idée, Desmond. Ah ! Plusieurs trésors. Un problème, mademoiselle Stillman ? Absolument aucun, Warren. Tout est Denver. Dans ce cas, où sont les fichiers ? Bah ils arrivent, laisse-le... Si je ne transfère pas ces fichiers, il va finir par se méfier. On en reparlera plus tard. Oui, bah ça je peux comprendre. Il va finir par se méfier, oui, si tu fais rien. Ouais, donc la pomme... Non. Comment ils appellent ça ? L'artefact, là, le... Bref. Est-ce qu'on a encore des interactions avec Lucie ? Une minute. Ça veut dire quoi, tout est Denver ? Que tout se déroule comme prévu. Pourquoi Denver ? C'est en référence à l'aéroport international de Denver et à son complexe souterrain. C'est là qu'a eu lieu l'accident. L'accident ? Quel accident ? Des choses que je ne suis pas, les amis. Tu n'es pas fatigué ? Alors, c'est terminé avec Lucie. Il va falloir aller se coucher, hein, très clairement. Donc, il va falloir entrer d'envoyer les mails. De toute façon, elle va disparaître une fois qu'on va aller se coucher. Hein. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on va aller faire. Et puis, on pourra ressortir, nous, une nouvelle fois. Et puis, bah, faire notre petite fouine. Excuse-moi, j'ai du travail. Ouais, elle a du boulot. Notre petite fouine pour chercher des éléments nouveaux. Là, on n'y a pas accès. Et puis, de toute façon, ailleurs non plus. Donc, très clairement, nous sommes bloqués une nouvelle fois de plus. Il faut qu'on progresse dans l'histoire. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Allons dans notre piole. Peut-être de nouveaux éléments y seront, je sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Ça devrait faire disparaître Lucie. Allons jeter un œil dans l'armoire. Comme d'habitude, mais rien de particulier. Un petit tour dans la salle de bain. Ah, le petit mot est parti. Donc là... La femme de ménage a bien fait son travail. J'ai trois serviettes parce que ça fait trois jours qu'on est dans le jeu, peut-être. Je sais pas. Petit détail, peut-être que personne n'aura remarqué, je sais pas. Toujours rien de particulier dans cette foutue douche qui sert à rien. Eh bien, allez, on va aller faire notre petite chouine. On a encore quelques petites interactions, je suppose, à faire là-bas dans la salle. Sur le bureau, rien de particulier. Là, c'est pour aller se coucher, donc ça, c'est après. On va déjà sortir. Alors, me revoici, me revoilà, mais donc sans Lucie, hein, puisque normalement on avait quartier libre pour la soirée, on aurait normalement pu aller en boîte de nuit, je sais pas. Alors bien sûr, on a toujours accès à l'Animus, hein, mais on va pas y retourner. Alors on va commencer cette fois-ci par cet ordinateur-là, je sais pas pourquoi, parce que je suis plus près de lui. On ira ensuite dans l'ordinateur de Vidic. Je constate quand même qu'on a des choses toujours un petit peu plus intéressantes dans l'ordinateur de Vidic, ce qui paraît logique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? On en a 5 reçus, un envoyé... Insupprimé. Ah, ça peut être intéressant. On va commencer bien sûr par les reçus. Alors, ici, je crois que tout a été lu. Hein. Leila Marino, ouais, donc ça, on a déjà lu. Et ça aussi. Ouais, à la relation avec un Newman. Donc ça, c'est OK. Dans les envoyés, on est toujours bon. Donc, rien de particulier. Par contre, on a le supprimé de point d'interrogation. Ah ah. Le 6 septembre à 8h25. Donc, deux inconnus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc envoyé... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Alors, attendez. On va commencer, du coup, par le bas. Ça sera plus... Ah, mais c'est que c'est long, en plus. Ouh là 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 là. Ah oui. Oh, mais c'est long. Ouh là là, ouh là là. Alors, attendez, il y a sûrement des choses intéressantes là-dedans. Le 6 septembre, on est là, on diminue. Alors,
Donc envoyé le 6 septembre à 6h48. Donc très tôt le matin. Alors il n'y a pas d'expéditeur, objet donc point d'interrogation. À Lucy Steelmine. Besoin d'infos sur l'accident DIA. DIA. Donc je présume que DIA veut dire Denver International Airport. Ce que Lucy nous a dit juste avant. On déduit ça, moi. Donc besoin d'infos sur l'accident. Effectivement. On a une réponse à 6h58 de Lucy à cette fameuse personne inconnue. Au moins 20 morts dans l'accident. Sûrement un site de lancement ou au moins d'assemblage. Infiltration à envisager. D'accord. On a une réponse à 7h12. Donc envoyée à Lucy Steelman. Lancement dans quel but? D'accord. Jusque là on ne sait pas grand chose. Mais bon, on progresse petit à petit. Une nouvelle réponse à 7h15. Donc là, il y avait clairement une discussion qui se faisait. Transmetteur orbite basse pour artefact. Poursuite d'expérience sur le conditionnement commencé il y a 5 ans. Contrôle total en cas de succès. Alors là, je comprends absolument rien. Transmetteur orbite basse pour artefact. Bon, ça doit très certainement correspondre aux fameux artefacts qu'on recherche, hein, très certainement. 7h18, une nouvelle réponse. Total, que voulez-vous dire? Ok, on poursuit. Une réponse de Lucie à 7h20, nos esprits. Oh là là. C'est vraiment compliqué à comprendre. À 7h34, une nouvelle réponse de la part de l'inconnu. Et Desmond, point d'interrogation. Réponse de Lucie à 7h47. Ils se servent de lui pour localiser un autre artefact. Je les ai ralentis, mais ils approchent du but. D'accord, donc tout ceci serait, entre guillemets, manigancé par Lucie. Apparemment, elle ralentirait un petit peu la tâche. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle se fait ramonner les poils en permanence par Vidic. Ça pourrait être logique. Il se doute peut-être de ce qui se passe. D'accord. Donc Lucie, apparemment, serait peut-être de notre côté. 7h56, une nouvelle réponse. Il connaît notre existence. Donc je suppose en parlant de Vidic. Alors. Réponse de Lucie, non. Ah, mais peut-être Desmond. Il connaît notre existence. Ah oui, pardon. Attendez voir. Je pense que c'est de Desmond qu'on parle. Donc non. Et une nouvelle réponse. Bien, il ne faut pas que ça change. D'accord. Pouvez-vous envoyer de l'aide? De Lucie envoyée à cette fameuse personne à 8h18. Donc on arrive bientôt sur la fin du message. Alors, deux moins cher et plus rapide. À Lucie Steelman, objet des problèmes en bas. Point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ce message? Tu te demandes pourquoi tout le monde se moque de toi. Je te laisse deviner. Elle a sûrement trouvé mieux et plus gros. D'accord. Ailleurs, bien, tu voudrais lutter à armes égales. Nous avons ce qu'il te faut. Alors, clique sur ce lien sans attendre. Alors, attendez voir. Parce que là, il y a un message codé là-dedans. C'est certain, on a quand même des lettres majuscules. Donc, on va tenter de voir, je vais prendre un papier, un crayon, si ce message un petit peu codé, entre guillemets, nous donne des informations. Parce que je suis en train de me rendre compte tout de suite que je n'avais jamais vu ça. Donc, vous voyez que je suis quand même vraiment bien concentré dans l'histoire, là, parce que... Alors, déjà... Il y a le en bas qui est en caractère gras par rapport au reste. Donc, est-ce que ça, il faut en prendre parti? En bas, ça veut peut-être tout simplement dire de regarder en bas, tout simplement. Donc, on a, tu te demandes pourquoi, le haut de pourquoi est en gros. Tout le monde, on a le N, le S... De S-E, moque. On a un E, ça fait déjà un once. Je te laisse deviner. Un R. Un A. On sera. Ah. Trouver mieux et plus gros. Ailleurs, il y a encore un A. Bien, le B. Je sais pas, hein, ça se trouve, il y a peut-être complètement rien. C'est peut-être moi, mais... AB... Arme égale, nous avons un N et un S. Ce qu'il te faut. Attendez voir, il me manquerait pas une lettre là. Oh, j'ai raté un L. Alors attendez voir.
on sera. Tac, tac, tac. Il y a un L. Lab. Là. Ah, on sera là. Attendez, je continue. Le T, je l'ai pris. O. Clique sur le lien sans attendre. T. Alors, en bas, on sera... Ah, ça marche. Il doit me manquer une lettre. Clique. Alors, il manquerait pas un I là, parce que sinon ça ferait en bas, on sera là bientôt. NS. En bas, on sera là. Il manquerait un I. J'aurais oublié un I. Ah oui, le I de voudrait. Je l'avais pas vu. Donc c'est bien ça. B-I-E-N-S. Ok, en bas, on sera là bientôt. D'accord, donc c'est bien un message codé. Putain, les amis, c'est la première fois que je vois ce message codé. En fait, je m'étais jamais rendu compte de ça. Donc, on sera là bientôt. D'accord. D'accord, d'accord. Donc ce message, vous voyez, n'était plus important qu'on l'imaginait, en fait. Ah, mais je suis content. J'ai trouvé peut-être un secret de jeu. Il n'est pas facile à déterminer, mais... Je me doutais bien que les lettres majuscules avaient automatiquement une utilité. C'était logique. Donc ça, c'est vu. Donc clairement, Lucie demande de l'aide. Donc les choses se passent plutôt bien pour nous. On va aller jeter un œil dans le PC avidique. Parce qu'on a le mot de passe, hein, rappelez-vous. Et on va voir si on peut trouver de nouvelles choses importantes. Ah, bah, je suis content. Parce que ça, c'était pas du tout prévu au programme. J'espère que ça nous aidera. Apparemment, de l'aide devrait arriver. Alors, on est dans la messagerie de Vidic, donc on a des nouveaux messages datant du 6 septembre. Ah oui, il y en a pas mal. Ça a été lu. Donc on va partir au 6 septembre à 18h36, 17h13 et 12h30. Donc là, ils sont dans l'autre sens. Ça marche. Donc on a ça. Service dépêche, Abstergo, service information. Des centaines de personnes hospitalisées à la suite d'un empoisonnement de l'eau. L'entreprise Abstergo est accusée d'avoir contaminé les réserves d'eau d'une petite ville afin de tester un produit de synthèse connu en interne sous le nom de Nouveau Fluorure. Le dernier studio de cinéma disparaît. Ce jour restera dans l'histoire. Aujourd'hui, le dernier studio de cinéma du pays a fermé ses portes. La suprématie des jeux vidéo et le piratage qui frappe l'industrie du film sont les deux raisons principales qui expliquent cette disparition. Ouais, rien de particulier. Je pense que ça, c'est des messages un petit peu pour remplir la messagerie, je présume. Hein. Je présume que ça sert à ça, pour un petit peu nous mélanger tout ça et à nous de prendre les bonnes informations. Moi, je vois ça comme ça. Ici, on a un département documents confidentiels mot de passe. Ah, ça peut être bien. Alors, on a un numéro en haut, 00626677. Donc, ça, peut-être très important à le garder de côté. C'est un numéro qui peut nous permettre d'ouvrir une porte, un accès ordinateur, on va voir. On a ensuite des nouveaux messages, alors là par contre il faut qu'on commence par en bas du coup, pour être dans le bon sens. Alors pareil, apparemment une bonne tripotée de messages. Alors, donc là c'est un message envoyé le 6 septembre à 16h, de Alan Rickin à Warren Vidic, nouvelles infos. Warren, j'ai téléchargé les analyses relatives à nos dernières découvertes sur le terminal sécurisé. Dans la salle de conférence. Ah, la salle de conférence. Donc c'est la fameuse salle qu'on ne peut pas avoir accès, qui est derrière, avec les fauteuils et les tables. Vous devez absolument les consulter et nous faire part de vos commentaires. Ah, donc nouvelle chose à retenir. Sans ça, nous ne pourrons pas poursuivre nos recherches. Cette tâche est prioritaire. D'accord, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Vidic est parti dans la fameuse salle de conférence, qu'il a mis fin à notre séquence et qu'il s'est barré. Je sais pas, peut-être. Ensuite... Une réponse à 16h32 donc de Warren Vidic à Alan Rickin. Objet mot de passe. Impossible d'accéder à l'ordinateur, il me faut un mot de passe. D'accord, donc il n'a pas de mot de passe. Ah ben c'est sûrement ce qu'ils ont envoyé en haut, d'accord. Ensuite, une réponse à 16h35 de Alan Rickin à Warren Vidic. J'en parle à la sécurité, surveillez votre messagerie. D'accord. Et donc, le message arrive à 17h13, 00 62 677. Ça marche. Donc ça, peut-être message important. Ici, on a un nouveau message encore, Alan Rickin, fausse alerte. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à lire?
Oui, apparemment, encore des nouveaux personnages, d'après ce que je vois. Oulala, voyons, on va progresser dans les SMS, là, dans les messages. Alors, on est parti du plus vieux au plus récent. Donc là, il y a un bon pavé encore. Donc, envoyé le 3 septembre à 9h13 de l'administration. Ah, mais on l'a déjà lu, ce message-là. À Abstergo tous. Voilà, ça, c'est l'espèce de contrat. Donc, on n'a pas besoin de le relire. Ok, ça marche. Ensuite, on a quoi d'autre? Ah, le 6 septembre, 15h18. De Henri Liman à Warren Vidic. Re-information sensible. Donc un nouveau personnage, Henri Liman. Cette fois, c'est du sérieux. Quelqu'un a fait circuler des documents concernant les études sur produits fluorés. Ah d'accord, et donc ce serait ça les fameux messages qu'on reçoit. D'accord. Et les fédéraux enquêtent sur la division pharmaceutique. Toute la zone est bouclée. Savez-vous ce que contiennent ces rapports? Mais bon sang, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ont empoisonné une ville entière. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? De Jen Birkham à 15h21, ça a été envoyé à Warren Vidic. Tout va bien. Point d'interrogation. Waouh, tu connais la nouvelle? Le cours de l'action va chuter, c'est sûr. On déjeune ensemble. Point d'interrogation. D'accord, il y a un peu de tout et n'importe quoi là-dedans. Et on a donc un nouveau message à 18h36. C'est à propos de ces idiots de la division pharmaceutique. On a publié un communiqué concernant le satellite expliquant que le lancement était décalé au 21 de façon à ce que la zone de couverture soit améliorée. Une garantie pour éviter les interruptions d'appels. Tout ça dans l'intérêt du client. Bien sûr, il faut qu'on s'assure que vous aurez tout ce qu'il vous faut dans les temps pour que la nouvelle fenêtre de lancement soit respectée. Ok. Donc là, c'est lu. Ensuite, dans les envoyés, qu'est-ce qu'on a? On a ça qui a été lu, c'est du 3 septembre, donc on a déjà vu. Et on a deux messages supprimés. Et ben c'est pareil, ça a déjà été lu. C'est l'expéditeur inconnu, je sais tout. Ok. On va aller jeter quand même un dernier petit coup d'œil, voir si on aurait accès à la salle de conférence. Mais à mon avis, non. Parce qu'il me semble de mémoire qu'on n'y a pas accès. Parce que le mot de passe qu'on a sur le PC, c'est le mot de passe du PC. Vous allez voir qu'à l'intérieur de cette salle de conférence, il y a un PC. Que je peux d'ailleurs vous montrer, parce qu'on l'aperçoit là-bas. Mais le mot de passe que j'ai là, normalement, ne fonctionne pas. Ouais, vous voyez, j'ai pas d'interaction possible. Donc il va me falloir un code pour entrer là. Un code que je n'ai pas encore pour le moment. Donc il va falloir progresser dans le jeu. Le PC, on peut le voir, il est sur la table là-bas au bout. On voit un espèce de truc. C'est un PC. Voilà, là on peut l'apercevoir. Avec le logo Abstergo, tout simplement. Donc c'est le fameux PC qu'on a le code, mais on n'a pas d'accès pour y rentrer. Donc on verra par la suite des choses, peut-être qu'on pourra y avoir accès. Voilà, on a fait le tour normalement des interactions possibles à ce stade du jeu. On a quand même des petites réponses. On a apparemment de l'aide qui serait envoyée, Lucie. Peut-être serait de notre côté, à voir. La suite des événements. Elle retarde apparemment un petit peu les choses. Donc on va aller se coucher. Et puis, on va continuer tout simplement ici. Hein. Ou sinon, je quitte l'épisode ici, puis on se retrouve tout simplement à l'épisode prochain. Directement, parce que si je m'endors, je vais avoir une nouvelle cinématique qui va se renclencher. On va faire ça, les amis. Je quitte l'épisode ici, et puis je vous retrouve tout simplement pour la suite, qui sera donc l'épisode 25. On va repartir d'ici, au sein d'Abstergo. On va se lancer normalement dans notre dernière séquence mémoire, mais je vous explique tout ça à l'épisode prochain. Allez, bon visionnage à tous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !